Poisson. C'est un combat bizarre aussi, je t'avoue que... Hein, c'est bizarre, hein. Ouais. Ça met pas de coup de tête. Non, c'est un bar. Ouais, c'est un bar cette fois. Il l'a ramassé lui. Non, ça mettait pas de coup de tête justement. Il me l'a ramassé lui. Ouais, je pense. Hein. Ça fait 50 quoi. Poisson calibré à 50. Hein. Ouais. Un peu plus, là. Non, 50. Ouais, 50. C'est bien déjà. Allez, deuxième petit bar de 50. Bien nerveux là dans le courant, j'ai une super fluke encore. Génial. Allez, retourne. Yes. Ouais, derrière toi, c'est des poids. On va mailler ça. Bon, après, on va s'écarter vers la baie rouge, on va essayer de arriver dessus. Ouais. Ça c'est mal. Ouais. Je vais en garder un, mais 52 ça fait un peu petit. Ah, moi aussi je voudrais en garder un pour mon père. C'est pas bien. Ouais. Un petit poisson. Poisson de 50 à peu près. On va à l'eau. Zoom super flic cette fois. Bon allez, je vais vous montrer un petit truc. Là, comme vous pouvez voir, c'est en pleine alimentation. Et il mange du crabe. Vous voyez? Tac. J'ai des petits poissons, poissons maillés. En pleine frénésie. Tac. Allez. Tac. On le remet à l'eau.
Putain, faut vraiment les gratter. Hein. De l'Icy Caillou, c'est bon, ça marche. Ouais. Ah Gilbert, c'est bien du kaki qu'ils veulent là, c'est engamé, propre. T'as mis du quoi? Un de l'Icy Caillou là? Ah ouais. C'est engamé direct. Non, non mais. Je pense qu'il leur faut du haillou. D'après moi, c'est des bordures en son. Ouais, je pense, ouais. Allez. Hop. Ils sont focalisés sur une couleur. Ouais. Petit bar de 45, je pense. Retourne à l'eau. Bon, il est 10h, je vous fais un petit point. Du coup, ce matin, dur le début. Et au bout d'un moment, ça s'est activé. Là, il y avait pas mal de poissons dans le courant. Et c'était des poissons actifs, mais qui montaient pas beaucoup dans la couche d'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y avait pas mal de boules de lançon à l'éco-sondeur. Et je pense aussi qu'ils mangeaient des crabes. Regardez là, je vous mets un petit screen de l'activité des poissons. On voit bien les barres en fait qui sont peu actifs collés au fond. Alors il y a du bar correct jusqu'à 50. Mon pote il a fait 70. Mais beaucoup de bar calibrés, 40, 50. Et beaucoup de petits aussi. Et du coup, ils mangeaient du lançon et du crabe. Et ce qui collait le mieux ce matin, c'est le petit dolai stick là, coloré haillou. Les gars, ils pêchaient au crazy là, en taille 100. Coloré haillou, ils prenaient des poissons. Et moi, je pêchais avec, pareil, des leurres de 10, 11 cm. Et pas avec un coloré haillou et je prenais pas de poisson. Et dès que j'ai mis ce coloré haillou, ce fameux coloré là, direct, je prenais des touches plus régulièrement. Et le leurre était coffré, était engamé. Alors qu'avant j'avais un leurre plutôt noir-gris et c'était piqué bord de gueule, je prenais des touches mais ça prenait pas forcément. Donc le coloris a vraiment son importance et je dirais surtout en fonction de la bouffe qu'il y a sur le moment. Ça c'est vraiment important. Donc voilà, une petite dizaine de barres maillées ce matin à 3, donc c'était plutôt cool. On s'est bien amusé, là il fait beau comme vous pouvez voir, on est bien, il y a pire. Il y a pire, c'est les premières belles journées de 2024. Donc voilà, il est 10h. On a le temps encore, je pense que je vais rester jusqu'à 15-16h. Et j'espère m'amuser, vous faire de belles images. J'ai cette GoPro là, la 12 là, qui marche, mais par contre ma 7 que je mets à côté, elle marche plus. Je pense que la dernière fois elle a pris l'eau, elle a pas trop aimé. Et donc voilà, je peux que vous faire des plans au harnais et pas plus. J'essaie de vous faire quelques plans drone, quelques plans téléphone et à la GoPro. Donc voilà, vous aurez les combats en direct. Ça c'est maillé. Ça maille par contre. Ouais, il va faire 41 celui-là encore. Non, ça fait 45-50 ça.
10-10. Allez, les 11e. Juste pour battre Gilbert. T'as vu les avions? Les avions? Ça maille. Ça, c'est ma pêche. Ils sont tous calibrés, par contre. Voilà, ça maille, là. Non, 41. Non. C'est engamé. C'est bien, je vais continuer de pêcher les rochers. Il y en a un, c'est les poissons, d'autres, c'est les rochers. Écoute, l'autre, il disait pas ça ce matin. Il arrive, il va t'envoyer quoi en une demi-heure. C'est vrai. Là, c'est baissé encore. Voilà. On sent la pression monter, là. Allez, en route pour le 12e. Ah. Tiens, regarde, le 12e. Ouais, je pense. Ouais, je vais aller mailler. Je pêche que le maillet, moi. Encore un rocher, j'en ai marre. Allège, va plus vite, Gilbert. Putain, il y en a d'autres avec. C'est ce qui dégueule. Des arénicoles. Hein? Ouais. Allez, encore un joli. On tourne. Ah, le 13e, je crois que c'est le 13e. Ah, ça c'est un peu 40 pas plus. Ah, c'est un... il doit être non maillé celui-là encore, je crois. Ah, ça c'est encore un petit, merde, trop petit. Allez, hop, fond de gosier. Ils sont vraiment là, hein.
Putain. C'est un knife. Hein. Non, il maille celui-là. Ben celui-là, s'il maille pas. C'est un maille ça. Charge. Allez, je remets tout sur mon halo. Tac. Impeccable. Tout ça sur une petite pêche à la volée. Avec la petite Light Cavalry 75M de chez Evergreen. Et un petit zoom superflu que là, albino. En 7 grammes. Petite pêche entre deux eaux. Ce matin, c'était une pêche lente sur le fond. Et là, c'est une pêche plus dynamique. Fin de cette matinée de pêche. Franchement, un super matinée, excellent. Je fais 15 barres maillées, donc autant vous dire que à 11h, 15 barres maillées, c'est bon, ma pêche elle était faite, tranquille. Et du coup, ce matin ça a commencé lentement, c'était pas facile pour les prendre. Et je voyais sur les échos que c'était assez collé au fond, il y avait des boules de lançon. Et les barres qu'on prenait aussi, il y avait des crabes. Et pour l'animation, c'était vraiment une pêche lente à gratter. Si on était trop léger, ça marchait pas, puisqu'on n'était pas assez près du fond. Si on était trop lourd, on accrochait. Donc le poids idéal, c'était 10 grammes. Et le matin, j'aurais tout pris avec ça. Et aussi au zoom, super fluc là, dos noir. Mais je voyais que sur le dos noir, il tapait pas super bien. Du coup, j'ai décidé de passer sur un coloris kaki comme ceci. Parce que les gars, ils pêchaient avec un petit crazy, là, un coloris kaki. Et ils avaient beaucoup plus de touches que moi. Et comme quoi, des fois, les coloris font vraiment la différence. Des fois, ils sont vraiment débiles. Et des fois, ils sont vraiment chipoteurs au final. Donc, au zoom superflux, c'était piqué bord de gueule ou des touches loupées. Et au dolly stick, avec ce coloris-là, je pense que c'est surtout le coloris qui faisait la différence. Là, c'était à chaque fois, c'était fond de gueule et c'était limite poisson sur poisson. Donc c'était cool. Après, en fin de marée, j'ai décidé de pêcher avec ce petit zoom superflu là. Bah, de toute façon, maintenant, vous connaissez ceux qui suivent la chaîne. Et en 7 grammes, petite pêche à la volée rapide. Et là, c'est pareil, c'était barre sur barre. Et beaucoup de petits, pas de gros poissons. Le plus gros, ça devait être dans les 50. Beaucoup de 40, 50. Donc voilà, mais 15 maillets quand même, c'était plutôt cool. Surtout que c'est la troisième sortie en kayak de la saison. Et maintenant il n'a pas fait super beau donc voilà, c'était super. Franchement, que demander de plus, joli soleil, très peu de vent, une eau un peu sale en ce début de saison, mais à part ça tout était bien. Ah oui, également je voulais vous parler de des animations. Comme vous avez pu voir ce matin, c'était animation lente sur le fond. Ils se nourrissaient de crabes, de toute façon on les voyait sur les co-sondeurs qu'ils n'étaient pas super actifs. Ils se nourrissaient bien sûr, mais il fallait vraiment leur proposer sous le nez, surtout qu'en ce moment, en ce début de saison, l'eau est sale. Donc voilà, le matin, une animation lente. Et après, en fin de matinée, quand la marée, fin de marée, là, c'était pêche plus dynamique. Le matin, si on pêchait pas lent et on n'avait pas un coloris de leur IU, je pense qu'on passait un petit peu à côté. Et après, pareil, en deuxième partie là de matinée, si on pêchait pas à la volée, et ben on faisait beaucoup moins de poissons, puisque les gars qui étaient avec moi, ils pêchaient pas à la volée, c'est pas trop leur pêche. Et on a bien vu que moi c'était un lancer un poisson, que c'était peut-être 5 lancers un poisson, et voilà. Donc comme quoi la pêche c'est constamment une remise en question, là la preuve en image, et voilà. Donc
toujours se remettre en question, ça dépend des hauteurs d'eau, des marées, de l'activité des poissons. C'est à nous de s'adapter à eux et pas à eux de s'adapter à nous.